Michula Pichu, est-ce que vous êtes tous debout? Yo, yo, mes cafardinia, est-ce que vous êtes tous en bas? Big up à ceux qui m'ont RT, dis pas que t'es un vrai, on sait que t'es un mytho, dédicace à tous mes cafardinia. Aïe aïe aïe, 30 000 abonnés, ça sert à rien, j'ai que 100 RT sur mes liens. Big up à tous ceux qui partagent, big up à tous ceux qui ont mon âge. Ouais, chiap, ça rimait, tu le sais très bien. Les freestyles, on les contrôle pas. C'est eux qui me contrôlent. Ok, ma cafardine, on est encore sur Mirage. On va faire un petit setup brutal, mais en A cette fois. D'accord? Donc, j'appelle ça le setup plate. Mais c'est le même principe que le setup brutal que je vous avais montré. Donc là, c'est le setup plate parce que j'avais fait ça quand on était chez Platinium avec mon équipe quand j'étais chez eux. Donc c'est un setup agressif en A, d'accord? Donc comment ça se passe? Comment ça se passe? Donc début de round, on va à 3 en A, donc on délaisse le mid, d'accord? On va à 2B, d'accord? Et on va à 3 en A. Donc le but c'est que la WAP qui était censée aller mid, il vienne ici, ok? Et il décale la Panta, d'accord? Donc il a la ligne, ok? Il a la ligne. Le premier de rush, d'accord, le premier qui avait le spawn, il vient tout de suite au niveau du sandwich, d'accord? Il vient tout de suite au niveau du sandwich, il vient se bloquer là, ok? Le deuxième, il court au couteau le plus rapidement possible, il vient là et il slow. Il va agresser, bien évidemment. Donc là, son pote a la ligne, donc il n'a pas peur d'ici. Par contre, il peut y en avoir un là. Donc il faut pas qu'il vienne là parce que ici, on voit ses pieds. Il faut qu'il vienne longer à gauche. Là, il y a la flash qui va partir et il va agresser. Donc il vient boum ici. Boum ici, et ensuite il vient là. Ok, une fois que ça c'est fait, il se smoke là. Et après il a la visu en haut, comme ça, si ça revient. Voilà. Et après il peut se mettre des flash clic droit, etc. Donc, je vais vous montrer la flash. C'est ici, d'accordinos. Et vous voyez ce petit. Ce trait là, pardon. Ouais, voilà, ce trait. Voilà. Donc on prend ce trait. Voilà. Et on met un petit pas en avant en slow. Voilà, on est en slow. Et on avance et on jette, tout simplement. Voilà, elle pète là, la flash. Donc là, tout le monde est blanc. Donc, la WAP, il vient, il prend la ligne ici, il attend. Le deuxième, il vient là se positionner, là, comme ça. Donc ici, on essaie de venir là au cas où si ça rapide connector, que le mec voit l'arme, mais qu'il soit pas comme ça, qu'il meurt directement, d'accord? Donc on est ici. C'est important, c'est des détails qui font que ça peut te faire gagner une demi-seconde et te mettre ton petit flic comme ça quoi. Donc prends la ligne ici, le deuxième, le premier de rush s'infiltre, sandwich, flash en main, prêt à rusher, l'autre là il s'avance. Vas-y, j'ai ta ligne, t'inquiète, j'ai ta ligne. Ok, ça, je flash. Blanc. Voilà, une fois que ça c'est fait, l'autre il vient, il prend ça. Et après, il tourne. Et il va prendre. Il va retourner au spawn, c'était. Ici, et après son job c'est de prendre le connecteur. Lui il a l'appart, lui il a off la Panta, donc lui maintenant il est comme ça. Voilà, il peut se resmoke l'appartement ou des trucs comme ça. Et après on n'a peur que du connecteur, et donc le connecteur c'est lui qui le prend. Voilà. Et en B, on n'est pas naïf, ils peuvent se booster pigeot. Donc normalement il y avait un mec corne hein, de base, donc on a quand même l'info. Donc voilà, j'espère que ce setup il vous a plu. Donc c'est une agressive en A. J'en ferai plein des petits trucs comme ça, des petits setups en A, des petits setups en B sur toutes les maps, vous inquiétez pas. Donc merci à tous ceux qui sont derrière moi, qui partagent à fond. Je vous embrasse tous. Et on met les pouces bleus!